Hey, salut à tous! Bon, petite vidéo rapide là, cette semaine, j'ai pas eu le temps. C'était vraiment une semaine de dingue à tout faire en même temps. Là, on est samedi matin, on est en train d'installer l'irrigation dans les patates. Enfin, là, les patates de mon collègue, et ensuite on ira dans mes nouvelles parcelles là-bas derrière faire un tour d'arrosage aussi parce que ça en a vraiment besoin. C'est en train de crever ici, c'est encore en verdure. Alors, moi, elles sont complètement en sénescence, c'est en train de complètement de mûrir et de partir en couille. Et ils annoncent encore 4 semaines de beau temps et de temps chaud surtout. Ils annoncent 40 degrés les deux prochains jours de la semaine prochaine. Donc on a la chance d'avoir trouvé de l'eau. Donc on va irriguer les patates et ça en a grand besoin. Voilà. Je vais vous faire un petit retour. Je vais vous mettre quelques rushs, quelques images ensuite pour vous illustrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Lundi, mardi, un petit peu, enfin préparation. Fin du préparation du bâtiment des veaux. Mardi soir, arrivée de 260 veaux, mise en route, réhydratant, la nuit, ma mise en place. Mercredi matin, première buvée des veaux, arrivée des 70 restants pour arriver à 330 places. Le deuxième camion est arrivé que mercredi matin. Mise en route, donc on est dans les veaux, 6h30 le matin jusqu'à 19h, 19h30 le soir. Du lait le matin, du réhydratant à midi, du lait le soir. Franchement, c'est pas une mince affaire. Et on a commencé la moisson des blés mercredi soir, donc ce qui fait les veaux la journée et quelques bricoles comme voilà, l'irrigation et tout ça. Et puis la moisson du blé la nuit. Voilà, on essaie de dormir un petit peu quelques heures par-ci par-là. J'ai un petit creux entre 14h et 16h où est-ce que je fais une sieste. Et puis j'essaie de dormir 2-3 heures la nuit, de 3 heures jusqu'à un petit peu plus. Et puis voilà. Bon, je vous passe quelques images de tout ce que j'ai fait cette semaine et je reprends après.
Bon voilà, j'espère que ces quelques images de cette semaine vous ont plu. Bon, il n'y a pas grand chose, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Juste avec le portable, c'est tellement intense que prendre la caméra c'est quasi impossible. J'essaierai de m'y mettre la semaine prochaine parce qu'on va vraiment être à fond dans la moisson la semaine prochaine. Bon là je suis dans mon blé de pommes de terre, je suis revenu aussi le site du bâtiment Vaux. Je suis revenu avec la batteuse, je viens de mettre la coupe dessus. Tout simplement parce qu'après, là il est 16h30 à 17h, je vais m'occuper des veaux. J'en ai pour 2h30, donc vers 19h, 19-20h. Je vais aller de l'autre côté là-bas où j'ai du blé sur blé. Enfin, il a été chevignon et là par contre il est super mûr. Là je suis obligé de mettre la coupe là parce qu'il n'y a plus d'accès là-bas. Je viens d'aller couper des branches pour passer avec la coupe parce que c'est impossible. Le chemin se termine dans ma parcelle. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez la vidéo moisson l'an dernier quand j'ai démarré. C'était la grosse galère pour mettre la coupe, on devait rouler dans le blé de ça. Donc là je vais bloquer une partie de la route. C'est bon, c'est un chemin de champ, hein, donc je vais mettre un tracteur au travers de la route là-haut. Partir avec la coupe sur la route, il y en a pour aller 30 secondes, hein, je suis arrivé et puis je vais faire comme ça. Mais bon, ça, la moisson, vous aurez quelques rushs comme ça entre deux, mais une vidéo moisson, ce sera plutôt un petit peu plus tard, le temps que je fasse des prises de vue et que je vous montre tout ça. Là, simplement un petit retour sur ce que vous avez vu. Voilà, j'ai fait des chômages fausse mie sur la parcelle d'escourgeon. Enfin, un précédent escourgeon où il y aura du colza dans un mois. Le plus vite possible parce que là, c'est pris de sec. Donc, je voulais profiter de la fraîcheur pour travailler le sol et faire du fausse-mie. Avec le nouveau déchaumeur de la Cuma, un déchaumeur Pottinger 3,50 m terre à disque. Super machine, je vous le présenterai un petit peu plus tard. On a acheté ça l'hiver dernier pour détruire les couverts. Et en fait, il sert un petit peu à tout et c'est vraiment génial. On va même mettre un soir à couvert dessus. Voilà, vous avez vu, il me semble, j'ai terminé les dernières images, c'était du pulvé sur les pommes de terre. Pas de fongie, hein, parce que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on fait plus de fongie parce qu'il n'y a pas de pression mildiou avec le sec. Par contre, j'ai fait des oligos, des choses comme ça. J'ai fait un produit d'intracelle, c'est un produit protecteur des feuilles et des stomates des feuilles pour éviter les coups de chaud, éviter que les feuilles prennent des sales coups avec la chaleur et profiter. Enfin, c'est en fait un produit qui est contre les stress abiotiques. Les stress abiotiques d'une plante, c'est stress hydrique, un manque d'eau ou trop d'eau, stress de chaud, stress de soleil, enfin tous les stress possibles qu'il puisse y avoir dans une parcelle de culture. Donc ça protège des stress abiotiques. Là en l'occurrence, manque d'eau et trop de chaleur pour les pommes de terre. Et j'ai fait avec de l'Epsotop. Bon, je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous l'Epsotop à 5 kg hectare. C'est du sulfate de magnésium qui, pareil, c'est la magnésie est essentielle pour la photosynthèse des plantes. Là, en mettant de l'Epsotop comme ça toutes les semaines à 5 kg hectare, même voire deux fois par semaine, on arrive à maintenir l'effet vert du feuillage et à provoquer un petit peu de photosynthèse pour essayer de faire qu'elle pousse encore malgré les pics de température et puis le fanage des vers. Voilà. Bon, là, irrigation, j'y reviendrai. Parce que là on est dans la parcelle du collègue comme je vous ai dit. Et on va être dans ma parcelle normalement un petit peu plus tard en croisant les doigts en espérant que le fait de mettre encore 300-400 mètres de tuyau plus loin pour arriver à ma parcelle, on est toujours à cette pression parce que c'est un peu limite. Il y a un énorme dénivelé. On a dû traverser un bois comme ça à 4 pour tirer les tuyaux. On s'est bien réchauffé ce matin. Voilà. Petit clin d'œil à Cyril là-dessus parce que c'est vraiment un débrouillard à ce niveau-là. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais aller, bon là on le voit pas parce qu'il est bien protégé, bien intégré dans le paysage, hein, comme c'était demandé sur le permis de construire à l'époque, intégration du bâtiment dans le paysage, bon comme vous pouvez le voir, on ne le voit pas, donc c'est plutôt joli même, j'adore, j'aime bien mon site. Je fais les veaux, je m'occupe de tout ça en espérant que ça continue, pour l'instant c'est pas trop déshydraté, je maintiens le cap. En continuant les matins, réhydratant le midi, le soir, c'est une astreinte phénoménale, mais c'est gage de réussite de la mise en route d'un lot de veau par des chaleurs caniculaires. Voilà, et puis après, on montera sur Titine et je vais couper ma première parcelle de blé. Et demain dimanche, ce sera ma première parcelle de colza. J'ai une parcelle de colza 7 hectares qui est mûre encore sur un autre site à 10 km d'ici, à peine 7-8. Et puis ce sera terminé pour moi pour l'instant parce qu'ici dans le jet de Zer, je viens de regarder, il manque encore quelques jours, je pense, 2-3 jours. Peut-être moins, je ferai peut-être un échantillon ce soir si je suis un petit peu énervé pour voir si on est plutôt à 17-18 ou à 15 ou à 21, on va voir la tendance. Et puis on retourne couper du blé chez Samuel demain soir, donc dimanche. Et lui, je pense qu'à partir de dimanche, il va en avoir une 40-50 hectares de bon. Donc on a de quoi s'occuper avec les veaux entre deux et puis l'irrigation. Il y a de quoi faire. Allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous mets quelques petits rushs de la moisson entre deux si je le peux. Allez, ciao, bye!